Bonsoir à tous. Trois titres constituent la une de cette édition de l'information de ce jeudi 5 septembre 2019. Insurrection et outrage contre la patrie. Le procès de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'ouvre demain devant le tribunal militaire de Yaoundé. Hors de nos frontières, acte de xénophobie en Zambie et au Nigeria. Des centaines de personnes ont manifesté contre les violences xénophobes qui visent des comportements en Afrique du Sud. Et puis, en sport, relance du football féminin. La Fédération camerounaise de football fait confiance aux dames. Elles sont cinq à avoir été nommées comme membres du comité d'administration transitoire de la Ligue de football féminin pour les deux prochaines années. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de l'information de ce jeudi 5 septembre 2019. Édition que nous ouvrons ce soir par ce calme relatif observé au quartier Bessengue, c'est ici à Douala. Quasiment 24 heures après les coups de sommation et l'interpellation de 14 présumés malfrats spécialisés dans le braquage à main armée, la vie semble avoir repris progressivement son cours normal. Jean-Jamais Yedna. Heures après des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation qui ont retenti au quartier Bessengue, lieu dit pont, nouvelle route à Douala. C'est un calme apparent qui prévaut depuis les premières heures de ce jeudi 5 septembre 2019 dans cette partie du premier arrondissement de la métropole économique. Bien passé parce que la gendarmerie, les policiers et tout cela. Ils étaient là. Et dans la nuit, on a bien dormi. Pourquoi? Parce qu'il y avait les anti-gangs et la police qui étaient là. Dans le quartier, ils ont gardé le quartier. Ce qui fait que les délinquants là ne sont plus revenus. Donc on n'avait plus peur parce que les anti-gangs étaient là et la police en route. Non, du moins la panique c'était quand on était en train de lancer les bombes lacrymogènes. Mais après cela, les gens se sont bien endormis. Déjà, moi, je suis insomniaque. Moi, je dors à partir de 4 heures. Donc, je n'ai pas entendu de bruit hier. Mais déjà hier, à partir de 22 heures, quand je suis sorti, j'ai vu la police qui était mobilisée là sur le pont, jusqu'à minuit 30. Et au regard du danger permanent, certains habitants ont dû abandonner leur domicile pour se trouver refuge ailleurs. D'autant de la calmie du Texas de ce mercredi au quartier Bessengue à Douala. Ce qui m'a étouffé, c'est les gaz là qu'ils lançaient là. Tu vois, j'ai abandonné même mon commerce ici parce que moi, c'est ici que je me débrouille. Mais quand ils lançaient déjà le gaz là, ça me chauffait les yeux. Je ne parvenais plus à mieux respirer. J'étais obligée de fuir, aller à la maison et abandonner mon commerce. Comme ils ont commencé à lancer les gaz, les gens aspiraient ça. Ça faisait même mal aux yeux, même dans la gorge. Les gens, donc comme ils ont commencé à lancer ça, les gens ont commencé à s'éparpiller, fuir. Donc ils ont fait ça pour que les gens ne doivent plus taper sur les bandits arrêtés. Après toute une journée mouvementée, où les éléments de la police et de la gendarmerie ont fait une descente musclée dans ce quartier et interpellé une quinzaine de malfrats, une patrouille mixte a campé toute cette nuit au quartier Bessengue pour parer à toute éventualité. Actuellement, le quartier, ils ont bien passé la nuit puisqu'ils étaient en garde. Ils attendaient soit le retour. Même jusqu'ici, on les attend. Vous attendez ici en cas de retour la riposte. Oui, en cas de retour, bon, on est toujours prêt à appeler la police. Ouais, pour moi, ça, je me dis que c'est fini. Hein. Qui va encore les amener ici? Ils sont incarcérés, on me dit qu'on a attrapé 14, non? Alors, sur peut-être 50, vous croyez qu'ils vont s'organiser pour revenir ici, hein? Mais on n'a pas peur de ça, hein? Nous sommes sentis vraiment en joie. Avec ces gars qui sévit la vie de Douala depuis un certain moment, qu'on les appelle les microbes, sincèrement, je pense que c'est très bien fait pour eux. Et nul n'a été avec le consentement des gars du quartier qui ont appréhendé ces bandits-là. Lutte contre la criminalité
et le grand banditisme à Douala. Et partant dans la région du littoral, des forces de défense et de sécurité contraquées jusqu'à leur dernier retranchement. Ces nombreux hors-la-loi qui font perdre le sommeil aux nombreuses populations. Nous l'annoncions en titre, accusé d'insurrection et d'outrage à la patrie, Maurice Kamto et ses compagnons sont attendus demain, vendredi, devant les juges du tribunal militaire de Yaoundé. La requête introduite par les conseils du mouvement pour la renaissance du Cameroun est relative à la récusation des juges de cette juridiction ayant été rejetée par la cour d'appel du centre. Les précisions d'Adrienne Nobodem. C'est un procès politique, crient les avocats de Maurice Kamto. Ils contestent la légitimité du tribunal militaire. À quelques heures de l'ouverture du procès du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et certains de ses partisans, la contestation est de mise. La cour d'appel de Yaoundé rejetait, on se souvient, le 29 août dernier, la requête des avocats de l'opposant camerounais. Bien qu'étant une affaire qui concerne un civil, la cour estime que le tribunal militaire, ayant déjà été saisi de l'affaire, ne pouvait pas être déclaré incompétente. Pour ce collège d'avocats, appelé à défendre l'homme politique, il s'agit d'un non-sens juridique. Ils insistent sur les conventions internationales ratifiées par le Cameroun qui interdisent aux magistrats militaire de juger un civil. Pour certains observateurs de la scène sociopolitique nationale, la défense de l'homme politique semble avoir oublié les émeutes de 2008. Au lendemain de ce triste événement, une commission présidée par Maurice Kamto, alors ministre délégué auprès du ministre de la Justice, avait réécrit les textes régissant le tribunal militaire. Des textes qui habilitent la juridiction à juger les civils. À titre de rappel, Maurice Kamto et ses co-accusés sont arrêtés le 28 janvier 2019 dernier à la suite des manifestations interdites par les autorités. L'homme politique qui revendique sa victoire à l'issue de la présidentielle d'octobre 2018 est aujourd'hui inculpé pour rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie. Avec ces charges, Maurice Kamto et ses co-accusés risquent la peine capitale. Le procès s'ouvre le 6 septembre 2019. La production du riz au Cameroun a pris un sérieux coup durant la dernière décennie. Le pays de Paul Biya ambitionne désormais de se tourner vers l'extérieur pour combler la demande locale estimée à 600 000 tonnes. Praxed Toulou. En 2020, le Cameroun aura besoin de 750 000 tonnes de riz. Il n'est capable de produire que 250 000 tonnes. Sur le marché, le riz importé est celui qui se retrouve le plus dans les magasins et les boutiques. Bien qu'elles reconnaissent que le riz local a meilleur goût, des ménagères affirment acheter essentiellement celui qui arrive de l'étranger. Elles expliquent cette préférence par la rareté du prix cultivé au Cameroun sur les étals. Explication répétée qui finalement amène à tirer la même conclusion. La production est le premier handicap du riz camerounais. Selon les agriculteurs, il faut que les rizières soient irriguées. La fermeture de la Société de développement de la riziculture dans les plaines d'Embo en 1997 a contribué à accentuer le manque. Elle bénéficiait des services de 1500 paysans dévoués. Aujourd'hui, la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, la société qui produit le riz dans la région de l'extrême nord, explique que le déficit a plusieurs origines. D'abord, son compte qui s'est réduit comme un pot de chagrin au point de ne plus lui permettre de payer convenablement les riziculteurs. Ceux-ci ne reçoivent plus que la moitié de la rémunération qui leur est due, ce qui refraine leur ardeur au travail. Ainsi, la fourniture d'eau, l'entretien du réseau d'irrigation, la production de semences de base, l'encadrement technique a également baissé. La sèmerie paye chaque hectare à 102 000 francs CFA au lieu de 204 000 francs CFA initialement prévus. Le riz camerounais connaît un autre problème crucial, celui de la distribution. Le peu qui sort des rizières n'atteint pas toujours les consommateurs. La production du riz camerounais est en chute depuis moins d'une décennie. Depuis 2017, le Cameroun en importait 90%, strictement rien à voir avec les 80% de la production de la consommation nationale de riz enregistrée en 1975. La crise se perpétrie et pour le moment, la seule issue reste l'importation du riz. Le Cameroun a réussi à lever avec succès
30 milliards de francs CFA sur le marché sous-régional. Il s'agit d'un mécanisme de financement qui est d'ailleurs très encouragé par le gouverneur de la Banque des missions de la sous-région Afrique centrale, Abba Mahamat Toli. Reportage. En prélude au Salon international de l'artisanat qui se tient tous les deux ans, les artisans du département du Mungo ont exposé leur savoir. Le 28 août dernier, le Cameroun a de nouvelles fois réussi à mobiliser une enveloppe de 30 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la Banque des États de l'Afrique centrale, institut d'émission des 6 pays de la CEMAC. Un mécanisme de financement des économies de la sous-région, d'ailleurs encouragé par la Banque d'émission de la sous-région Afrique centrale. Il faut renforcer les procédures en matière donc de... d'émission de titres publics. C'est désormais de cette façon que nos États vont se financer. Il faut appuyer les pays dans le cadre donc de réformes économiques et financières et renforcer la gestion de la banque et donc stabiliser également notre système financier. Cette opération de levée de fonds s'est faite à travers une émission des bons des titres du Trésor assimilables à 26 semaines, dont l'échéance était fixée au 28 février 2020, selon les résultats officiels publiés sur le site de la Banque centrale des États de la CEMAC. Le taux de souscription à cette opération a culminé à plus de 218%, les investisseurs ayant servi au Cameroun une enveloppe globale de 65,5 milliards de francs CFA. Pour rappel, au troisième trimestre 2019, le Trésor public camerounais ambitionne de lever 240 milliards de francs CFA sur le marché. Le département du Mungo, dans la région du littoral, prépare activement le SIAC. Il s'agit du Salon international de l'artisanat du Cameroun. L'événement biennal est annoncé pour les tout prochains jours. Dans cette perspective, un salon départemental du Mungo a permis de dénicher les meilleurs représentants de cette partie du terroir. Les précisions de Praxet Toulou et de Château Envalon. En prélude au Salon international de l'artisanat qui se tient tous les deux ans, les artisans du département du Mungo ont exposé leur savoir-faire au Salon départemental de l'artisanat. Cette cérémonie, qui correspond à la deuxième étape du SIARC, vise certes à faire la promotion des produits commerciaux à l'issue de l'artisanat, mais aussi et surtout à sélectionner les artisans qui vont représenter le département du Mungo au Salon international de l'artisanat. Aujourd'hui, nous sommes aux compétitions du département du Mungo, qu'aujourd'hui on est en train de clôturer. Moi, en tant qu'artisan, j'ai décidé de valoriser nos différentes essences de bois qui sont en voie de disparition. Raison pour laquelle moi j'ai eu ces premiers prix que j'ai eu aujourd'hui. Et là, j'appelle tous les Africains, tous les jeunes, de travailler et de faire comme moi. Avec déjà 6 participations au SIARC, couronnées de 2 distinctions, le département du Mungo espère de nouveau rééditer l'exploit au cours de cette compétition qui réunit les meilleurs artisans du pays. Il faut encourager beaucoup de jeunes à préparer la relève, puisque bientôt nous serions fatigués. Il faut des gens qui pourront bien défendre les causes, les artisans. Oui. Bon, on doit quand même donner au maximum pour essayer d'arracher 2 ou 3 prix au niveau de... Voilà. Au cours de la cérémonie de clôture du Salon départemental de l'artisanat pour le Mungo, les artisans ont invité le gouvernement à fixer une politique de quotas sur les importations des friperies et des meubles. Pour le SIAC 2020, les artisans du Mungo comptent bien rééditer leur exploit en remportant encore des prix de Yaoundé. Afin de booster le génie créateur local, les résultats de cette exposition départementale qui mettait en compétition les artisans issus de 13 communes ont enfin été dévoilés. Zéro accident de circulation et zéro mort sur la nationale numéro 5. C'est le pari du délégué régional du ministère des Transports du Littoral qui vient de lancer une campagne de prévention routière. Les précisions de Frédéric Moutomé et d'Étienne Monté. Sur la nationale numéro 5 entre Douala et Bafoussam, les équipes de la prévention routière de la délégation régionale du ministère des Transports sont sur le terrain. Une descente qui rentre dans le cadre d'une campagne de sensibilisation en cette période de rentrée scolaire. Vraiment en respectant les limitations de vitesse pour arriver à contrôler.
Je trouve cette station vraiment très bien parce que c'est la première fois que je vois un tel contrôle comme ça sur la route. Vraiment, c'est souvent bien de le faire, souvent régulièrement, parce qu'il faut contrôler tout le nécessaire, parce que tout ce qu'on contrôle est important, important. Et chaque véhicule qui prend la route doit avoir tout le nécessaire qu'on demande. Donc vraiment, c'est une très bonne initiative, qu'on le fasse régulièrement. Apprécié à sa juste valeur par certains automobilistes, la dite campagne ne fait pas l'unanimité et pour cause, plusieurs de ces automobilistes sur cette route nationale numéro 5 sont en marge de la législation en vigueur en la matière. Ça, c'est aussi qu'on vient d'interpeller, le permis de conduire, il n'a pas. Je ne sais pas comment un taximan va conduire sans avoir un permis de conduire. Son dossier est complet, mais le permis de conduire, il n'a pas. Mon permis a été retenu, il y a une prévention routière à Carquin. Voilà, ils ont retenu mon permis de conduire, que je suis à surcharge. Hein? De fait qu'il faut que je revienne pour que je vienne négocier, pour récupérer mon permis de conduire. À mon âge, à 33 ans de conduite, je ne peux pas avoir, je ne peux pas conduire un véhicule sans permis de conduire. Oui, ils ont contrefait les cachets ronds et le cachet nominatif et même le visa de délégué régional. Alors on est confronté à ce genre de situation au niveau de tous les contrôles routiers. Oui. C'est déplorable, mais ils ne sont pas malins parce que nous reconnaissons chaque fois des faux documents, même comme ils imitent et les visas, les signatures et même les noms qu'ils écrivent mal. Parce qu'il y a des détails qu'eux, ils n'ont pas, mais que nous avons à notre niveau, qui nous permettent de détecter ces faux documents. Interpellation, contravention et sanctions sont alors au menu de cette caravane de terrain qui vise à lutter efficacement contre les accidents de la circulation récurrents en cette période de rentrée scolaire. De ces Nigérians établis au Cameroun depuis le déclenchement de la bataille asymétrique avec la nébuleuse Boko Haram, à la suite d'accords tripartites entre l'État du Cameroun, le Nigeria et le Haut Commissariat pour les réfugiés, ils sont environ une centaine à avoir volontairement regagné leur pays. Plus de précisions dans ce reportage. Un rapatriement volontaire des Nigérians réfugiés au Cameroun, l'image est rare. Et pourtant, selon des sources bien introduites, plus d'une centaine d'Iriens réfugiés au Cameroun, à la suite des violences de la secte Boko Haram, ont regagné leur pays. Un départ qui entre dans le cadre du lancement de la première phase de l'opération de rapatriement volontaire, objet d'un accord tripartite Cameroun-Nigeria au commissariat des réfugiés. L'événement qui, de sources filtrantes, s'est déroulé en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord, Mehdi Awa Bakari, et du ministre des Affaires humanitaires de la gestion des catastrophes et du développement social du Nigeria, Sadia Oumar Farouk, a donc débouché sur un retour dans la sécurité et la dignité de ces personnes originaires du Nigeria voisin. Il faut dire que la question du rapatriement des réfugiés nigérians a parfois été l'objet d'une passe d'armes entre les deux parties. Le Haut Commissariat des réfugiés s'est tout de même félicité à cette occasion de la générosité du gouvernement camerounais et des communautés locales qui ont accueilli environ 80 000 réfugiés nigérians depuis le déclenchement de cette bataille asymétrique. Depuis plusieurs jours, l'Afrique du Sud est émaillée par des actes de xénophobie sans précédent. Le président Cyril Ramaphosa est d'ailleurs sorti de son mutisme pour condamner de tels comportements qui mettent en mal la vie des étrangers dans son pays. Frédéric Moutomé. C'est désormais le chaos total en Afrique du Sud. Depuis quelques jours, des actes de xénophobie sans précédent sont enregistrés à Johannesburg, à Cape Town et à Pretoria. Des actes pourtant condamnés par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. J'aimerais condamner en des termes forts les violences qui se sont répandues dans un certain nombre de provinces dans notre pays. Les attaques sur les personnes étrangères qui ont des business, des choses totalement inacceptables.
Des choses que nous ne pouvons pas permettre, que cela se passe en Afrique du Sud, où les personnes qui gèrent leur propre business soient attaquées, leurs business sont détruits par des pillages, ou mis en feu. Donc ces attaques sont complètement contre les lois en place, et j'aimerais commander aux forces de sécurité, particulièrement la police, de stopper toute prochaine violence, et de sécuriser un certain nombre de places dans le Swaziland, aussi bien que dans le Haut-Rhin, et nous voulons que nos forces de sécurité continuent ce qu'ils sont en train de faire, d'arrêter les auteurs, et de s'assurer que ces violences ne continuent plus. Je vais convoquer les ministres des forces de la sécurité aujourd'hui pour veiller à ce que nous surveillons de près ces actes de violence aveugle et à trouver les moyens de les en empêcher. Malgré cette condamnation, les principales cibles de ces actes de pillage, de saccage et de tuerie restent les ressortissants des autres pays africains, parmi lesquels les Nigériens. Ces derniers, face à cette barbarie, ont en représailles détruit des installations des entreprises sud-africaines basées au Nigeria, donnant également 48 heures à ces dernières à quitter leur territoire. Talking bullshit about South Africa, but let me warn you. We are giving 14 days for every foreigner to get out of our country. If you can't get out of our countries, I can guarantee you, we shall execute a lot of foreigners that we come across in our region. Les plus radicaux ont même pris à partie le véhicule de l'ambassadeur sud-africain à Abuja, empêtré dans les embouteillages. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour sécuriser le diplomate et son équipe. Une montée en puissance de la violence qui a amené le président nigérien Muhammadu Buhari à rappeler tout d'abord son représentant en Afrique du Sud, ensuite à condamner fermement ses actes, mais également à prescrire une série de mesures parmi lesquelles la mobilisation et l'affrètement des avions pour le rapatriement en urgence de ses compatriotes aujourd'hui en danger en Afrique du Sud. Je pense qu'il y a un problème auquel nous sommes tous inquiets à cause des circonstances spécifiques de l'Afrique du Sud. Cela est plus que regrettable et plus que malheureux. Je pense que les jeunes gens de l'Afrique du Sud ne savent pas ce qui s'est passé avant qu'ils ne recouvrent leur liberté. Le continent tout entier s'est levé pour l'Afrique du Sud. Et donc c'est regrettable que les mêmes personnes qui ont combattu contre l'apartheid sont attaquées de cette manière. Les images que nous avons vues sont horribles. ECOWAS a fait une déclaration condamnant ce qui se passe. Mais malheureusement, cela n'est pas la première fois. Cela est récurrent. Donc, alors que nous condamnons cet incident, nous devons travailler avec le gouvernement de l'Afrique du Sud pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. Avec un bilan de ces actes barbares particulièrement lourds, l'Afrique du Sud s'est mise à dos tous les autres pays du continent noir. D'ailleurs, certains invités au Forum économique de Cape Town ont brillé par leur absence, une façon de marquer leur désapprobation et leur condamnation à ces actes de xénophobie devenue récurrente au pays de Nelson Mandela, qui certainement doit se retourner dans sa tombe. Il faut dire à votre suite, Frédéric Moutomet, que ces actes de xénophobie en Afrique du Sud ont entraîné une véritable levée de boucliers, comme vous allez le voir, au Nigeria et en Zambie, où des centaines de personnes ont manifesté dans les rues. Reportage. Trop, c'est trop. C'est le message clair envoyé par ces étudiants zambiens pour répondre aux violences xénophobes en Afrique du Sud. Ils étaient environ un millier à manifester devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Lusaka pour exprimer leur colère. Je ne suis pas content du comportement des Sud-Africains. Ils veulent se réveiller chaque fois et commencer à tuer des gens. Nigériens, Malawiens, nous sommes tous des Zambiens, nous sommes tous des Africains. Nous n'allons pas tolérer ce non-sens. Trop, c'est trop. On en a marre de se faire battre tous les jours. Nous sommes tous en Afrique. Pourquoi devons-nous avoir peur d'aller en Afrique du Sud? Quel Sud-Africain a déjà été battu en Zambie? Nous sommes fatigués, ça suffit.
Même réaction au Nigeria, où de violentes manifestations ont eu lieu, notamment à Abuja et à Lagos, où les protestataires s'en sont pris à des enseignes sud-africaines. Nous sommes tous très fâchés. C'est pourquoi nous sommes dehors aujourd'hui pour protester contre ces meurtres xénophobes, pour qu'ils cessent. Il y a des citoyens sud-africains dans ce pays. Nous les avons laissés. Leurs investissements sont tellement importants ici, mais nous ne leur avons pas fait de mal. Alors pourquoi doivent-ils faire du mal aux nôtres? Première victime de cette colère, le géant des télécoms sud-africain MTN a décidé de fermer toutes ses agences au Nigeria, son plus grand marché avec ses 190 millions d'habitants. Les violences xénophobes en Afrique du Sud ont fait au moins 7 morts. Et puis on en vient à l'actualité sportive de cette édition de l'information pour relancer le football féminin. L'instance fait hier. La FICA Foot vient de faire confiance à 5 dames qui présideront désormais aux destinées du conseil d'administration transitoire de la Ligue de football féminin durant les 2 prochaines années. Profil dénommé avec vous, Zobel Apollinaire Ban. Céline Eko Mendomo est la présidente de ce conseil d'administration transitoire qui vient d'être mis sur pied par la FICA Foot. Elle retrouve simplement le poste qu'elle avait déjà occupé à la commission ad hoc de football féminin créée en 2017 par le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. L'ancienne présidente du conseil d'administration du canon sportif de Yaoundé fait actuellement partie du bureau exécutif de la FICA Foot en tant que troisième vice-président. Elle a pour vice dans ce conseil d'administration transitoire la sénatrice Yvonne Asta. Les membres sont au nombre de 3. Ifeiseke Anoma, journaliste, Sonking Ne Awung Nkeng Rachel et bien entendu Marthe Mwaha, épouse du Congo. Elle aussi faisait déjà partie de la commission ad hoc de 2017. Ses états de service dans le football et en tant que présidente de la Dynamo de Douala sont connus de tous. Mais cette fois, c'est un autre challenge qu'elle va devoir affronter. Les 5 membres du conseil d'administration récemment nommés seront bientôt installés dans leurs fonctions. À votre suite, Zobel Apollinaire Bon, indiquant que ces nominations interviennent à point nommé car le football féminin au Cameroun avait grand besoin d'une cure de jouvence et c'est une tâche titanesque qui s'annonce pour ces 5 dames. Les défis dans ce reportage, une fois de plus signé, Zobel Apollinaire Bon. L'on ne saurait parler de football au Cameroun sans parler de football féminin, bien que celui-ci connaisse encore quelques balbutiements. Chaque année, la Fédération camerounaise de football multiplie des stratégies pour que celui-ci soit au même diapason que le football masculin. Des compétitions sont régulièrement organisées sur le triangle national, le championnat et même la Coupe du Cameroun pour les clubs de première division. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux clubs comme Amazon Fab, Awafi de Yaoundé, Louvminprof d'avoir une certaine notoriété sur le plan national. C'est au total 12 clubs qui depuis quelques années déjà prennent part au championnat camerounais avec chaque année un champion et un vainqueur de la coupe. En plus des clubs cités plus haut, l'on peut énumérer pêle-mêle Caïman Fi de Douala, AS Diamaré, Green City de Bolova, Éclair Dessa, pour ne citer que cela, et dire aussi que beaucoup en sélection féminine du Cameroun viennent du championnat camerounais. Annette Ngondom, gardienne de but des Lions Indomptables et sociétaire de Amazon Fab, en est une preuve. Rappelons également que la liste des joueuses, rendue publique au mois d'août dernier par Alain Diumfa pour le match aller contre l'Éthiopie, était à majorité constituée des filles évoluant sur le territoire camerounais. Charlène Meyong-Meneneu de Louvre Minprof, Geneviève Ngombelek de FAP de Yaoundé, Abénaninon Thérèse de FAP ou encore Edouard Akaba Michel en faisaient partie. C'est donc dire que le championnat féminin au Cameroun se porte mieux, mais son organisation pose encore d'énormes problèmes. Et les membres du conseil d'administration de la Ligue de football féminin du Cameroun qui viennent d'être nommés sont certainement conscients de cette réalité. Nous parlons toujours de sport dans cette livraison de l'information. Tournoi Interpol d'accession en deuxième division. Le tableau affiche désormais complet. Stade Football Club de Bertois, Fontia Street Football Club
de Bamenda et Ngaoundéré Football Club disputeront la prochaine saison sportive en division d'élite. Les précisions de Jean-Germain Yadna et de Babi Sielem. C'est au bout de 90 minutes du temps réglementaire que l'équipe phare de la région de l'Est Cameroun a fini par remporter la partie sur le score de 3 buts contre 2 devant Koé Club de Maroua. Et c'est ce pénalty qui a donné la victoire à Stade Football Club de Bertois. Des héros du jour, des supporters, ainsi que le staff technique et administratif, exultent de joie. Très complet, c'est le fruit de Dieu Labour. Vraiment, félicitations à tous ces joueurs qui ont cru jusqu'au bout. Félicitations à la région qui s'est mobilisée. Félicitations aux spectateurs qui sont venus nombreux. C'est un grand cadeau pour la région de l'Est. Pour la D2, quel est le message que vous envoyez à vos Maintenant, supporters? Maintenant, il faut que tout le monde se mette derrière cette équipe. C'est notre équipe. Il faut qu'on se mette derrière cette équipe. Nous avons du pouvoir. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci. Mesdames, Messieurs, de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.